Les livres ne montrent pas tout, c'est ce qui fait leur force. Il y a des caches. Quand on rentre dans une pièce, on ne verra que le petit éléphant posé sur la cheminée ou un morceau de rideau rouge, c'est suffisant. Ils sont à la hauteur de notre ignorance. Ils nous renseignent, un détail nous ouvre à l'ensemble. Mais on ne va pas s'en sortir par l'enfance, hein. Le coup de l'enfance, c'est pathétique. Quand on vous serine qu'il faut changer souvent de position pour réussir un livre, vous mettre plus bas, voir les choses de près, du dessous, le nez sur la robe, ou de plus haut, les perspectives allongées, ça pourrait vouloir dire mettez-vous à hauteur d'enfant. L'idée d'enfance, si elle prend une majuscule, est horriblement ennuyeuse, tâchez de ne rien devenir. Ni enfant, ni animal, ni amibe, ou faites-le sans le savoir, et changez tout le temps de point de vue. Il en restera toujours des traces. À mémoire de forme, on le dit pour les oreillers, on peut le dire aussi pour nos vies. Installons-nous à cette place, un peu en dessous, un cran de plus, mettons-nous en arrière pour reprendre souffle par le fond. On est en dessous, comme quelqu'un qui est obligé de coller son visage à hauteur des touches pour jouer du piano. Tout est gigantesque et courbe vers le haut, les peupliers se rejoignent par les pointes. Installez-vous de l'autre côté, et en tout cas pas du miroir, hein, et tout ressortira, vous y compris, comme le petit soldat de plomb embarqué dans une rivière en crue. Une boîte va s'ouvrir, etc., 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 etc. C'est logique, c'est dans ce sens. On voit les choses, enfin, comme de l'extérieur. On n'est pas enfermé dans un laboratoire dont on n'a jamais vu l'entrée. On voit la tête des problèmes. On voit à quoi il ressemble, si c'est un bâtiment gris, un immeuble, un désert, une porte de pierre, un bouquet de fleurs. Enfin, on se représente bien le Big Bang comme un feu d'artifice dans un ciel noir, quand même. Donc, c'est simple, bref. Ce ne sont plus des problèmes. Ne vous inquiétez pas, rien de compliqué là-dedans. Mais une série de choses concrètes, aussi simples que de planter un potager ou de réparer une vieille Volvo, enfin même si l'absence de pièces pour ce modèle n'arrange pas l'affaire. Enfin, ici, dans la littérature, on ne manque de rien.